Cher leader, bonjour, papa Didon. Bon, je reviens avec cette vidéo qu'un ami vient de m'envoyer de Bordeaux. Eh oui, vous voyez cette vidéo, nous sommes à Bordeaux. Et ça, c'est un marché clandestin que les Chinois ont mis en place parce qu'ils ont réussi à cultiver les cultures que nous, nous apprécions. Mais regardez-moi ça. Ezala Ngaingai, Ezala Pundu, Ezala Ndunda. Tout ce que nous, les Congolais, nous aimons, bah, Chinois, ils sont en train de cultiver ça à Bordeaux, région bordelaise. Et regardez, et tous les dimanches, ils mettent ça dans ces minivans et viennent vendre aux Congolais. C'est-à-dire que les Chinois sont venus de la Chine, se sont installés en France, particulièrement à Bordeaux. Ils ont acheté des terres du côté de Blanquefort, toujours à Bordeaux. Ils ont planté tout ce que nous, nous aimons, nous les Africains, et regardez, voilà. Regardez bien, vous allez voir que dans ces sachets, il y a même du pondou. Le pondou frais, et ça là, on a banzété, hein. Voilà, regardez. Zamenangaï, comme je dis souvent, regardez-moi ça. Pondou angoué. Nous, les Congolais, on est où? Voilà un entrepreneuriat, voilà un business qui aurait pu être fait par nous, et c'est encore les Chinois. Même au niveau de Bordeaux, en France, sont en train de faire ça. Dame Nangaï, Tolamuka. Tolamuka. Tolamuka.